Allez, petite vide là, au lendemain de l'acte 14. C'est vrai que une petite vide entre deux lignes de temps. Je sais pas comment l'appeler. Les bulles jaunes, les bulles dorées, hein, qui montent en l'air là, qui s'élèvent au-dessus des pâquerettes de la neige. Non, c'est pas exactement facile d'aller marcher sur les chemins où il y a encore plein de neige ici. Bon, alors, je vous fais cette vidéo pour mes abonnés, les anciens et les nouveaux. Alors, les anciens me connaissent, bienvenue à tous les nouveaux. Alors, comme il y a eu un peu de partage de mes dernières vidéo, je subodore que je commence à voir un certain nombre de gentils petits cœurs des gilets jaunes qui viennent regarder mes vidéos et qui, j'espère, vont essayer de regarder un peu tous les sujets que j'ai traités. C'est pour ça aussi que je me suis impliqué un peu là-dedans pour que les gilets jaunes viennent découvrir d'autres horizons, ouvrir les cases et tout ça, comme j'ai déjà expliqué, et passer un niveau un peu plus haut, parce que il doit monter ce niveau. Il doit monter. La guerrière super Lydie à Bordeaux est crevée, malade, gazée, problème respiratoire, fatigué, c'est peu où elle en est, parce que voilà, ça continue, toujours la même chose, il se passe pas grand chose. Alors on reposera tout ça. Bon, pour l'instant, là c'est une petite vidéo pour dire bienvenue à tout le monde. Donc je vais faire des petits ballons là, j'ai des petits ballons repères comme ça, une étoile filante, ouf, je sais. Oh, avant d'où elle vient, l'étoile filante, qu'est-ce que c'est tout ça? Bon, c'est des points que je développerai plus tard. Je les mets comme ça, comme des signes de piste. Ah oui, j'ai vu que chez les Indiens, ils nous apprennent comment faire des signes de piste avec des cailloux, des petites branches, des tas de trucs. Bon, alors, oui, tiens, good, on va l'appeler signe de piste pour la famille. Ouais, bon titre, bon titre. Bon, nous revoici au petit Canada. Ah ben oui, on reconnaît, hein. Ça ressemble bien à un petit Canada. Sur le chemin Omega. Omega 1, mais on est toujours en Omega. Oui, Omega, c'est la fin. Et on est encore pas loin. La fin va durer un petit moment. On va pouvoir se manger sur le chemin numéro 1, c'est quelque chose de nouveau. Bon. Alors, aujourd'hui, je vais faire des bulles ou des ballons avec des petits points dans chaque, qui serviront de repère, de signes de piste, comme j'ai dit, pour du développement ultérieur. Bon, les anciens, vous allez piger normalement tout de suite tout ce que je dis. Ceux qui sont nouveaux, hein, et qui viennent de la famille des gilets, eh ben, c'est pas grave, hein, de toute façon, vous avez l'esprit super ouvert, il y a beaucoup d'entre vous qui êtes intelligents, vous risquez même de capter assez rapidement les histoires de ballons, ballon jaune, ballon orange, ah, je connais ça, ballon orange, grande sphère orange là, dans le ciel. Eh bien, regardez mes vidéos. Tout au début, vous allez pouvoir tout expliquer, tout ça. Alors, les réactions de mes vidéos récentes, là. Alors, évidemment, c'est sûr que il y en a un certain nombre d'entre vous qui ont craché avec le clip de la gentille petite Fiorina de 20 ans, avec qui on a exposé son œil,
parce qu'elle venait à Paris, comme elle le dit, elle va exprimer son avis que cette société n'allait plus du tout récompense. Bon, c'est sûr que là, quand on voit ça, il y a de quoi cracher. Alors, puisqu'il faut cracher, moi je vais cracher un truc. Non, cracher, c'est là. Ma crache d'avion. Boum. Alors, ça va pas être un ballon ce coup-là. Ça va être une grosse boule de pierre. C'est-à-dire les énormes boulets qui étaient envoyés par les trébuchets sur les forteresses cathares, et que ça faisait un bombardement complètement épouvantable. C'est beaucoup plus gros que ça, hein. Oui, beaucoup plus gros que ça. Épouvantable. Alors moi, je vais balancer du rempart un de ces boulets vers le bas. Ben oui, puisque quand on est une fréquence de conscience un peu plus haute, ben on est plus haut, quoi. Oui. Et quand on s'adresse à une conscience qui est vraiment très très basse, ah ben elle est en bas là. Ah ben tout en bas là. Donc le boulet là, des catapultes, des pierres et tout ça qu'on envoie, forcément il va rouler, il va prendre de la vitesse, et puis quand ça va arriver au but, ça va cracher dur. Pause. Bon, alors, mon gros boulet de trébuchet pierrière là va débouler vers le bas. Alors, il commencera à débouler comme dans un jus de quilles. Hein. Oui, pareil. Il va commencer à débouler d'abord sur. Même pas, on va pas dire idiot, sur l'imbécile, sur tout ce qu'on veut, sur le triste individu qui a explosé l'œil de notre gentil petit ange chéri, Fiorina. C'est pas clair, mon pote. Non pas, comme disait Gilet là, ah, mais après, ça va juste. Non, mais non, 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 parce que les gens se jugent eux-mêmes. Alors, celui-là, s'il est humain, on va supposer qu'il l'est, ça veut dire qu'il a une conscience. Et puis qu'il sait très bien ce qu'il a fait. Hein? Donc logiquement, il doit lui avoir son propre, se faire son propre crash, boum, et puis dire mais c'est pas possible ce que j'ai fait. Il doit normalement démissionner, foutre l'armure et les armes par terre, en disant à sa hiérarchie, vous allez vous faire foutre, vous êtes des sacrés salauds de nous faire du boulot comme ça, et puis dire à tous ses copains, faites comme moi, on fout le camp de cette merde. Et puis au lieu de les mutiler, on va aller les protéger, les gentils petits jeunes. Parce que le boulot de la police, comme ils disent en Amérique, serve and protect, c'est de servir et de protéger. Voilà, c'est ça. Alors le petit père, soit il fait ça, alors s'il n'est pas capable de le faire, alors je t'annonce petit père, ce que le boulet, il va te faire. Toi-même, eh ben, tu vas t'envoyer toi-même dans le monde des archons, qui est un véritable enfer. C'est-à-dire le jour où tu vas te suicider, hein, parce qu'il y en a tellement qui le font, ou bien tu vas avoir un accident de voiture, tu vas t'en aller comme ça. Eh ben, petit père, moi je te dis, tu vas aller direct dans le monde des archons. Alors, faut regarder toutes mes vidéos d'avant, hein, l'explication de David Icke sur les archons, mais lui là il est tout bon, il y va. Alors ce sera à lui après, hein, à décider, ah ben non finalement je veux pas ça, je veux m'élever en conscience, fréquence, ok, mais qui se démerde. Alors au-dessus de ça, les autres. Alors les autres, ce sont donc les pantins, les espèces de MK Ultra, ouille. Cherchez hein, ce que c'est un MK Ultra, MK, MK Ultra, cherchez ça, vous allez voir, là vous allez trouver, qui ont été hybridés
qui ont eu le cerveau lavé quand ils étaient tout petits, qui ont été programmés pour devenir ces espèces de psychopathes qui sont là, qui donnent des ordres justement à toute cette hiérarchie-là de soi-disant forces de l'ordre qui sont là pour la répression organisée par les archons. Très bien. Alors ceux-là, là, la bombe de trébuchet, là, ça fait encore plus mal. Parce que là, vous êtes responsable, autant que ceux qui sont au-dessus de vous, c'est-à-dire ces non-humains. Bon, ben, les gilets, essayez de comprendre, mais vous avez capté tout de suite qu'il y a des non-humains qui manipulent là-derrière. Des démons, quoi. Appelez-les comme vous voulez. Alors, mais ceux qui sont les pantins, au départ, ils étaient quand même vaguement humains et ils avaient une individualité, d'accord ? Puisqu'ils se servent de cette individualité pour mener une vie complètement de taré complet avec les petites parties carrées à l'Elysée, enfin tout ce qu'on veut, tous les trafics, tout ce qu'on veut. Donc ça veut dire qu'ils sont capables de penser. Donc ils ont quelque chose d'humain encore, en tant qu'individualité. Oh là là, après la crève de Lake Toulouse, la première grimpette en montagne. Voilà, c'est dur. Bon, ah ben oui, ouais, équipement comme pour la guerre dans le désert. Ouais, actuellement c'est hollandais, anglais, tout ça. Ben oui, on est en guerre, non? Tiens, c'est curieux, vous n'avez pas remarqué que de plus en plus de gens, hommes et femmes, eux aussi, s'habillent en treillis militaire. Quand même curieux. C'était pas comme ça avant, il n'y en avait pas autant. Mais regardez maintenant, mais il y en a partout. Vous les voyez dans les supermarchés partout. Bon, juste un petit truc. Alors, on en était à ces espèces de psychopathe MK Ultra qui était programmé pour occuper les positions soi-disant de pouvoir et de décision où ils font absolument n'importe quoi et un travail totalement démoniaque aujourd'hui. Alors ceux-là, puisqu'ils ont encore une individualité, ils la démontrent très bien, hein, parce qu'ils disent Moi, je suis responsable, c'est moi, je suis responsable. Oh, oh, oh. Alors camarade, si tu es responsable, que tu le sais, alors je vais te dire, nous, ce que on va voter, non pas dans des structures terrestres, là, non, pas là, non, dans des structures beaucoup plus hautes. Bon, essayez d'imaginer ce que ça peut être, les gilets qui arrivent. Il y a des structures plus hautes où des gens comme nous, là, ceux qui regardent ma chaîne, on a déjà voté pour que, quand il y aura une nouvelle civilisation, qu'importe la forme, ou quoi, comment, qu'importe, on a voté pour que dans celle société où vont aller la majorité des humains qu'on a maintenant sur la planète, hein, tous ceux qui ne voudront pas s'éveiller, eh bien, on a voté pour qu'il n'y ait pas d'animaux dans cette société. Comme ça, ils ne pourront plus leur faire du mal. Voilà ce qu'on a voté. Donc on a le droit de voter, nous, dans des structures supérieures, qu'on expliquera plus tard, ou que vous retrouvez dans les vidéos que je fais. Alors voilà ce qu'on vote, nous. Et j'appelle tout le monde à voter avec moi. Voilà, nous votons pour ces gens-là, pour la deuxième mort. La deuxième mort, qu'est-ce que c'est? Ça n'a rien à voir avec quoi, quelque chose qui se passe dans une société, là, densifiée, dans une matrix, hologramme, tout ce que vous voulez. Ça n'a rien à voir. Non. La deuxième mort, c'est au niveau de l'âme. Waouh! Oui, ça veut dire la deuxième mort, c'est pas la mort que tout le monde a, là, vous savez, on meurt, puis on va dans le tunnel, là. Ah, même Johnny, il a raconté, il était dans un tunnel. Il était noir, le sien, dans les NDE. Ah, c'est rien du tout, hein, on se réincarne, bon.
nature son individualité, pas de problème. Mais la deuxième mort, c'est la perte, la suppression de l'individualité et le recyclage à la source de vie, c'est-à-dire individualité et vaporisé, n'existe plus. Alors voilà ce qu'on vote nous et qu'on vous condamne, vous, les responsables, hein, de ceux-là même qui ont pété l'œil de Florina et qui font tant de malheur sur la Terre, on vous condamne à la deuxième mort. Point barre, fini. Voter, terminé. Scrutin, fini. Terminé. Bon, alors ça c'était un petit truc que je voulais faire avec ma première grosse boule là, grosse pierre. Bon, les autres, elles vont être un peu plus légères et vont s'élever petit à petit au-dessus du sol, de cette belle zone ici, hein. Je rappelle le petit Canada, le lac, montagne là-haut, avec des énergies sensationnelles. Ici, on est en dehors du temps. Pas l'impression que j'ai dit dans ma série là, on va être entre deux lignes de temps à Toulouse. Non, non, ici on est hors du temps, on est dans un temps différent, un temps naturel, on va dire. Bon, il faut essayer de parler un peu fort, parce que je ne sais pas encore l'équipement dont j'ai besoin, c'est-à-dire un micro directionnel, ou un micro cravate, ou le micro trottoir, qui va se brancher sur l'appareil photo digital, qui pour l'instant n'a pas de prise micro. Alors on est obligé de faire comme ça, d'avoir du vent, je suis obligé de parler un peu plus fort. Bon, sur ce que j'ai dit avant, ne vous faites pas de soucis, ces psychopathes agents des archons font tous partie de ces fraternités, sociétés secrètes, maçons, illuminati, tout ça. Ils connaissent absolument tout au niveau de l'occulte et des lois, même des lois spirituelles. Donc ils savent parfaitement ce qu'est la deuxième mort. Alors vous pouvez faire pipi culotte et chier dans votre froc, parce que c'est ça que vous allez avoir avec tout ce que vous avez fait. Bon, alors hier soir, en regardant comme tous les samedis, dans une espèce de transe hallucinée, les vidéos qui sont filmées dans les villes, il faut prendre les médias alternatifs, bien évidemment, hein. Il faut aller chercher ceux qui filment tout, où vous voyez tout, hein. C'est ça qu'il faut les voir. Et RT est pas très bon, ça va pas. Ceux qui filment avec le mobile, c'est pas terrible quand même. Alors j'en ai trouvé une hier soir, qui est un média anglais, visiblement, qui filme avec de très bonnes caméras, avec cet écran large comme ça. Je vous mettrai dans la description le nom de ce média alternatif anglais, des caméramans champions, c'est des vrais reporters de guerre. Ils vont partout, en plein milieu, voilà, sans peur, et vous voyez tout ce qui se passe, voilà. Donc pendant, en regardant ces images d'hallucination, non, malheureusement c'est ce qu'on voit dans cette réalité là, j'ai pris après quelques petites notes qui me sont venues. Alors on va regarder ça. Alors voyez un peu toutes les petites notes que j'ai prises hier soir, dans l'état de transe hallucinée là, jusqu'à 2-3 heures du matin, en regardant les images habituelles de tous les samedis. Ah, on va partir du... avec mes petits ballons là que j'envoie. Enfin, on va partir des ballons qui vont pas aller très haut, juste un tout petit peu, hein. Alors un petit ballon là, il est peut-être blanc celui-là, ça vient de la profession médicale. Rien à voir avec les études médicales, ça. Bon, alors, rappelez-vous, dans la vidéo que j'ai fait avant, je vous ai donné un exemple de contrôle mental opéré par l'élite, les Illuminati, le Nouvel Ordre, les Archons. Alors, ce sont des programmes informatiques, ce sont des logiciels. Regardez dans mes vidéos,
en particulier celle, je pense, sur le, une sur le channeling et l'autre sur les tours micro-ondes, etc., qui servent justement à envoyer ces programmes qui sont créés, bon, pour beaucoup à Fort Meade dans le Maryland, mais Fort Meade reçoit toutes les demandes de tous les Illuminati du monde entier pour mettre du contrôle mental dans un logiciel, en format binaire, etc., je sais pas, dans quelque chose qui peut être envoyé dans les bandes de fréquences ELF, EMF, fréquences magnétiques et tout ça, tout ce qui est envoyé par les tours à micro-ondes, les téléphones portables, Internet, le Linky, tout ce que vous voulez, la Wi-Fi, voilà. Et c'est ça qui rentre dans le cerveau des gens. Ça passe pas seulement par la télé, malheureusement. Alors donc, je vais vous donner un exemple de programme de logiciel que moi j'ai appelé, parce qu'en l'analysant après, je me suis dit, purée de bonsoir, ça c'est un programme de contrôle mental multistandard parfait, impeccable, impeccable. Alors c'est quoi ce programme informatique qui est rentré dans la personne que j'ai mentionné dans la vidéo d'avant, mais qui rentre dans plein de monde, hein. Vous n'avez qu'à leur demander dans la rue, hein. Vous aurez à peu près le même programme qui va ressortir, hein. Alors, il y avait donc trois phrases principales, hein. La première, c'était, au sujet des gilets, hein. Ils ont qu'à aller travailler. D'où ça vient ce programme-là, cette partie du logiciel? Ah bon, c'est d'où ça vient, hein. C'est macronien 100%. Voilà. Voilà, là, ça veut dire, vous allez penser cette pensée, qui est la pensée macronienne, qu'ils ont qu'à aller travailler. Voilà, et qu'ils nous foutent la paix. Donc, deuxième petite partie du programme. Ils foutent le bordel. Ah, c'est quoi celui-là? Eh bien, ça, c'est tout simplement le programme que je vais appeler Black Bloc, ben oui, qui est organisé par les Illuminati, parce que comme dit Thibault là, qui est super top, c'est des bourgeois là qui ont été chez papa maman dans le coton, qui foutent rien, qui sont étudiants, tout ça, qui ont rien dans la tête, donc c'est extrêmement facile de les manipuler là-dedans et de fabriquer ces Black Blocs. Donc ça s'est organisé par les Illuminati. Alors ça, c'est le logiciel, c'est le programme, et puis sur une touche, c'est le programme Black Bloc. Hein? Quand vous appuyez sur la touche, là, ça y est, ils se mettent en marche, et ils cassent tout, et vous le voyez très bien dans la vidéo, là, je vais essayer de vous retrouver le lien, on va voir. C'est tellement évident. Alors ça, ça fait partie du programme informatique de pensée qui remplace la pensée des gens, pensée extérieure qui vient remplacer la pensée de la personne qui n'a plus de pensée à elle, cette personne pense que ça. Troisième partie du logiciel informatique, Fort Meade commandé par le soi-disant gouvernement Frenchy là. Troisième partie du logiciel, du petit programme, ils ont qu'à rentrer dans leur pays. Ouh. Alors, ça recouvre quoi ça, ça? C'est quelle couleur ce truc? Eh ben, mais voyons. Moi j'ai marqué RNFN. Eh oui. Voilà. Alors, dans le même programme, on a le programme du RNFN qui est de. On va tous les renvoyer chez eux, on va les déporter, hein, dans des camps de déportation qu'on appelle camps de rétention. Je connais très bien puisque moi on me l'a fait en Amérique. J'ai été en camp de rétention, en camp de concentration pour dépassement de visa pendant des mois et des mois, des prisons horribles, dans les fers comme les esclaves, pas de médicaments. Alors moi je peux vous en causer, moi, de ceux qui se préparent, s'il y a une décision à un moment donné, de renvoyer tous les immigrés, tous ceux qui sont pas français là, allez, renvoyez chez eux. Vous voyez un peu ce programme informatique, comme il a tout dedans, comme il a les trois niveaux, hein, le niveau Macron, le niveau
du chaos organisé, hein, organisé, l'ordre par le chaos des francs-maçons, et puis l'extrême dans l'autre bout, hein, l'extrême nationaliste, bon, le schiste, j'en sais rien, enfin bon, vous avez le programme complet là, il est là. Hein. C'est facile, hein? Puis les gens ils vous ressortent ça comme ça, là, pouf, le programme il est là, c'est, il tourne tout seul. Dans des millions de Français. Vous savez, les moujons, là. On mettra l'image du moujon. Oh, on mettra, Voilà, c'était le premier petit ballon. Oui, oh, il était pas jaune, il n'était pas doré, celui-là. Il était d'une noirceur d'encre, hein, tellement lourd en fréquence, qu'il ne s'est même pas élevé à un millimètre du sol. Il est resté là, dans le bas-fond. Alors, on va essayer de passer à d'autres. Voyons ce que j'ai noté. Oui, ça va bien avec. Alors, j'ai noté cette phrase. Bon, j'espère que tout le monde va la capter, y compris nos braves petits gilets qui arrivent, là. L'énergie n'a d'acception de personne. C'est valable en toute chose, d'accord? C'est un peu ce que je dis parfois en disant, c'est pas le messager qui compte, c'est le message. Alors, voilà. L'énergie se fout complètement des personnes. Quelle que soit la polarité de cette énergie. Négative, neutre, positive, n'importe. Alors, derrière les figures 3D, c'est-à-dire les figures de troisième dimension, les figures de cette réalité, vous voyez la vidéo de David Hack, ce sont des fréquences et énergies qui sont à l'œuvre. Ce ne sont pas des individus. Les individus ne sont rien. Encore une fois, ce sont des fréquences et énergies qui sont à l'œuvre. D'ailleurs, quand vous regardez les reportages comme celui que j'ai vu, que je vous mettrai, vous sentez parfaitement ces fréquences énergies, ce qu'elles sont. Quand elles sont du côté positif, du côté gentil, du côté de ceux qui s'énervent, du milieu neutre, après de ceux qui sont les méchants, hein, l'ombre, la noirceur, les plus basses fréquences que vous les sentez. Et ça s'exprime dans les participants, cette espèce de jeu là, à moi le œil. C'est ça l'important. Les figures, rien à voir. Rien à voir. Hein. Alors, de là. J'ai découlé une autre petite phrase. Il faut donc combattre les énergies négatives et les fréquences basses et pas les individus qui leur servent de vecteurs. Il faut la répéter pour les nouveaux là. Voilà, répète. Il faut donc combattre les énergies négatives et les fréquences basses et pas les individus qui leur servent de vecteur. Ah, c'est le gros message, c'est la grosse bulle jaune. Voilà, ah, ça c'est le gros ballon jaune qui doit aller sur la tête de chaque gilet jaune. Et les ballons. Pour leur faire comprendre que c'est une idiotie monumentale de nommer des individus en disant l'émission Castaner, et toi. C'est débile ça, mais c'est débile là ce que font beaucoup dans les manifestations. Il me semble que ceux qui disent ça, c'est ceux qui sont à un niveau vraiment bas des pâquerettes, hein, même s'ils mettent un gilet jaune. Ça va pas haut, hein, comme idée, ça. Ça va pas haut du tout, hein. Oh, mais même, il y en a même des têtes, hein, qui pensent comme ça. Mais c'est idiot, c'est idiot. Les individus ne sont rien du tout. L'énergie n'a d'acception de personne. D'accord? Alors, prenez ce ballon-là, et puis mettez-le chez vous. Écrivez dessus. L'énergie n'a d'acception de personne. Ce sont les fréquences et énergie qui comptent pour les individus. Ça ne sert à rien, hein, de vouloir les remplacer. Je leur dis, vous avez passé un jugement.
bidon ça, c'est bidon, c'est bidon. Ce qui compte, c'est les énergies fréquences qui sont à l'œuvre derrière. Ça doit quand même pas être compliqué ce que je dis là. Hein? Même des gilets qui arrivent et qui se disent oulala, c'est quoi tous ces alternatifs là, guerriers ninja de lumière qui nous parlent d'énergie, fréquence et qu'ils essayent de nous expliquer pour nous aider un peu. Et bien, même vous là, qui avez l'impression de débouler je sais pas où. Mais c'est facile à comprendre ça, non? C'est facile. Hein? C'est même pas de la science, de la haute technologie, rien du tout. C'est hyper facile. Alors, on continue. Voilà, je vais continuer avec mes petits ballons. Si on en trouve un autre. Voyons voir là. Ah oui, tiens. Alors, j'ai noté un truc. En deux points, mais je commence par le dernier. Les orages. Quand vous regardez ce qui se passe dans ces reportages, vous sentez qu'il s'agit d'une véritable décharge d'énergie. Exactement la même que dans les orages. Hein? L'orage, c'est de l'électricité statique qui s'accumule, qui s'accumule, qui s'accumule. Avec des phénomènes chimiques, les gros nuages noirs et tout le bazar. Et puis à un moment donné, ça arrive à un tel point que c'est obligé que ça explose. Alors, plutôt que d'exploser en tornades et cyclones épouvantables, il y a le phénomène de l'électricité qui va décharger cette tension qu'il y a dans ce nuage, ce truc sombre là, et qui va aller jusque dans la Terre, ramener cette énergie dans la mer Terre, et voilà, l'orage se passe, et puis bon, il n'y a pas trop de dégâts, c'est bon. Donc, ce que vous voyez dans ces explosions dites de violence, parce que c'est une énergie des deux côtés, il y a une énergie qui est positive, qui est en résistance, qui est vraiment forte, une autre de répression, tout ça, ce sont que des énergies, et comme elles sont opposées en polarité, comme en électricité, positif et négatif, s'il y a beaucoup de volts dans chaque gros nuage, quand ils arrivent ensemble, et bien au milieu c'est l'explosion, ce sont les décharges d'énergie. Alors ce que vous voyez, il ne faut pas le regarder au niveau individuel, rappelez-vous, les individus n'ont pas d'importance, il faut le voir en termes de fréquence et d'énergie, et il faut le voir en quelque chose de naturel, on va dire, comme un orage, qui explose, et puis l'électricité, il faut qu'elle sorte, et puis que, voilà. Bon, c'est pareil, là, je pense que c'est pas bien difficile à comprendre ce truc-là. Alors, un petit ballon qui va avec. Ah, celui-là, il est... C'est un gros ballon, quand même. Ah, ça, c'est un gros ballon orange. Ah oui, ça, c'est un ballon de chez moi, ça. Ça, c'est comme les grosses sphères oranges, là, qu'on voit dans le ciel, de ci, de là, sur la Terre, que je connais bien, qui sont énormes, taille de l'Arc de Triomphe. Alors, je peux pas, moi, avec la crème que j'ai eue, là. Alors, imaginez qu'on est en train de gonfler un ballon de couleur orange, celui-là. Big Mouse costaud. Hein? Mouse costaud, celui-là. Alors, c'est quoi ce ballon? J'en avais dit une petite idée dans ma série que je dois continuer, Toulouse 2-2. Je vais la continuer. Quand j'avais dit que la première impression en arrivant dans la manifestation et l'intensification d'orage à Toulouse, acte 12, je m'étais trouvé dans un vide temporel. Rappelez de celle-là. Mais regardez là, allez retrouver ma première vidéo, Toulouse 2-2, j'explique ça. Alors, ce qu'on ressent en voyant les reportages aussi, là, de tous les samedis, eh bien, c'est qu'il y a, en fait, de la même façon que l'énergie électrique des orages, il y a, nous assistons à un chevauchement de deux lignes de temps. Oui, qu'est-ce qu'il dit là? Non, écoutez, les nouveaux, vous êtes obligés, on ne peut pas faire autrement.
Hein, si vraiment vous voulez comprendre ça, il va falloir aller fouiller dans toutes mes vidéos, il y en a 200, et vous allez chercher ma série sur la fausse ligne de temps. Hein. Un gros paquet de vidéos, il y en a une dizaine, mais ça, il faut la regarder celle-là. Alors là, vous comprendrez un peu mieux. Donc ce qui se passe, on va écrire sur cette grosse bulle orange, on redéveloppera ça plus tard. On va écrire deux lignes de temps. La fausse ligne de temps, qui a été fabriquée avec toutes les manips, hein, y compris en septembre, y compris tout ce que vous voulez, et la ligne de temps positive. Alors, ce qui se passe, la fausse ligne de temps, je l'explique bien dans mes vidéos, allez regarder, vous comprendrez tout. La ligne de temps positive, qu'est-ce que c'est celle-là? Eh bien, c'est une vibration, la vibration de vérité dont j'ai déjà parlé, qui sont des fréquences, c'est naturel, hein? C'est comme les ondes gamma et tout, qui viennent du soleil et tout ça, il y a quelque chose qui vient du centre de la galaxie, de l'univers, etc., qui va dans le soleil, qui affecte chaque planète, les êtres vivants, et qui fait monter les fréquences, la vitesse de rotation des atomes. Ok? Vous avez tout ça vu à l'école, l'histoire des atomes? Bon, et bien voilà. Alors, la positive, c'est quoi? C'est une énergie qui essaye d'amener la ligne de temps positive sur la fausse ligne de temps de façon à l'annuler. Alors, revoyez toute la science-fiction, j'ai déjà expliqué, c'est pas compliqué. Plein de livres de science-fiction, plein d'épisodes racontent ce truc. On peut arriver à comprendre. Un petit point. Dans les commentaires justement de mes dernières vidéos, une personne est venue en disant probablement New Age, parce que c'était assez New Age ce qu'elle disait, du début jusqu'à la fin. Oui, mais alors, au moment des gilets jaunes, là, il a été fabriqué par l'élite, là, c'est pas naturel, c'est fabriqué par eux. Et puis à la fin, tout ça n'est qu'une seule solution, c'est la solution New Age, basiquement. Être seulement amour les lumières et puis tout va aller bien, madame la marquise, tout va très bien, madame la marquise, oui, juste avant la révolution. Bon, d'accord. Je voulais répondre à ce commentaire, mais la personne l'a enlevé, parce qu'elle a dû voir les commentaires au-dessus et en dessous, qui étaient tous dans la ligne de ce que j'apportais comme information. Elle s'est dit, je vais prendre ma place ici, ou mon commentaire, mais pas à ma place, je l'enlève. Évidemment, dans la ligne de temps positive, je répète, bis repetita placent, le mouvement des gilets jaunes est naturel. Hein, je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, les Illuminati qui ont fait construire par des espèces de cinglés de Silicon Valley des ordinateurs quantiques qui sont capables de voyager dans le futur, de ramener des informations, ont vu le mouvement des gilets jaunes. Ensuite, messieurs les Rothschild dans leur magazine de Economist, se sont amusés, ces cons, qui sont dans l'occultisme à fond les manivelles, comme la mère Lagarde, qui donne des cours de neurologie là, à tous les élus de la planète, n'importe quoi. Ils se sont amusés à mettre la carte du tarot dans l'Economist de 2017, où on voit une foule de manifestants en jaune. Bon. Mais ça, ça ne veut pas dire que c'est les Rothschild et les Illuminati qui ont fabriqué le mouvement des gilets jaunes. C'est un mouvement naturel qui est venu comme ça. Je le répète, c'est tout. Donc ça fait partie de la ligne de temps positive. Donc quand vous voyez ces deux énergies à nouveau, comme les orages, qui entrent en conflit et que ça pète au milieu, il faut bien comprendre que c'est une bataille, moi je l'appelle un chevauchement des deux lignes de temps. De la fausse ligne de temps et de la ligne de temps positive. Alors si vous faites chevaucher deux lignes de temps, une négative et une positive, vous en revenez à l'électricité dans les orages et vous en arrivez à quasiment essayer de mettre deux lignes de chemin de fer avec les rails et puis ce qu'il y a au-dessus là, avec des polarités, des quantités de volts complètement opposées, énormes. Et vous essayez de les mettre l'une sur l'autre, ces lignes de chemin de fer. Faire passer un train dessus, c'est impossible. Hein. Il faut que ce soit l'une ou l'autre. Voilà. Alors ce qu'on voit dans ce truc
incroyable, abominable, fou de toutes les violences qui se passent dans les manifestations, c'est créé par le chevauchement de la fausse ligne de temps et de la ligne de temps positive qui essaye de se superposer et de prendre le pas sur la fausse ligne de temps. Alors c'est pour ça que si vous amenez deux lignes de temps, deux lignes de chemin de fer en métal avec des fréquences complètement opposées, eh ben ça va faire des grincements abominables, hein, comme quand un train freine dans une catastrophe ou des choses comme ça. Voilà ce que vous avez, ce que vous voyez là dans les manifs, ce sont tous ces grincements de ces lignes de temps qui se chevauchent. Bon, alors pour les gilets, c'est peut-être un peu plus difficile à capter. Faites un effort, vous êtes bon. Vous avez l'esprit ouvert, vous avez des casques qui s'ouvrent en ce moment. Et puis de toute façon, l'intelligence du cœur, elle aide à comprendre tout ça. Elle est simple et facile. Elle fait remonter du cœur, là, et poup, 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 ça s'allume de partout. Vérifie ma vidéo. Oula, aïe, mais c'est dur les roues. Bon, on termine avec mon petit lâcher de ballon, un dimanche comme ça, calmos. J'ai arrêté la cortisone, on espère que monsieur le virus militaire, il va rentrer dormir dans un coin et me foutre la paix. Et du coup, moi, je suis pas flippé, pas stressé, rien. Je peux parler calmos. Donc, on va terminer avec mon lâcher de ballon. Ah, un tout petit point qu'on garde avec mon gros ballon orange. On va lui faire faire des bébés, petits ballons orange qui vont aller chez vous. Alors, dans cette histoire de chevauchement des lignes de temps, non seulement vous le voyez dans les événements qui se passent dans le monde, et surtout en ce moment, ce qu'on voit en pleine poire ici en France, ce chevauchement, peut se passer aussi dans votre vie, dans votre environnement, chez vous. On a eu ça dans le temps, il y a un certain nombre qui, de temps en temps, rapportent des choses bizarres. C'est bizarre quand même, parce que il y avait un objet que j'avais mis à cet endroit-là, je ne comprends pas pourquoi maintenant il est là-bas. Ou alors je l'ai cherché partout, impossible de le trouver, puis tout d'un coup, là, pouf, il est là. Des sensations bizarres ont été rapportées par un certain nombre de gens qui sont dans cette catégorie des gens un peu éveillés plus large là, comme dit David Icke, ou un peu psychique, tout ça là, comme Patricia Arquette dans la série Medium, hein, très bon exemple, voilà, qui sentent des trucs. Donc vous allez certainement avoir de plus en plus, puisque nous avons la ligne de temps positive qui essaye de prendre le pas sur la fosse, et bien vous allez voir des choses qui vont arriver chez vous. Vous allez avoir des impressions bizarres. Ça va être très fugitif. Je l'ai eu hier en rentrant dans la chambre. Mais c'est pas ma chambre ça. Il y a quelque chose de changé là. Et puis pouf, ça dure une seconde. Hein. Puis après, ah bon non, c'est normal. Bon. Ça peut être des tas de trucs comme ça. Hein. Ça peut être au niveau de l'heure, avec des différences de l'heure qu'il va y avoir, des sensations, des énergies, des fréquences. Hein, parce que on a de plus en plus le chevauchement des deux lignes de temps, la positive et la négative. Soit bien se rappeler, voir la physique quantique, voir tous les physiciens qui ont fait, astronomes qui ont fait de la science-fiction et qui expliquent que l'univers parallèle ou lignes de temps sont extrêmement proches, mais à quelques microns l'une de l'autre. Elles occupent le même espace-temps en même temps, mais comme sont de fréquences différentes. Soit vous vivez dans la fausse ligne de temps, soit dans la ligne de temps positive. En ce moment, les archons ayant établi leur fausse ligne de temps, on est dedans, mais de temps en temps, on arrive à respirer un bon petit coup dans la positive. Et on essaye tous d'amener toutes les énergies de la ligne de temps positive sur cette ligne de temps de merde que nous ont fabriqué les archons. Et c'est un de nos buts à nous, tous les gens comme tous ceux qui suivent mes vidéos, et ceux qui arrivent les uns après les autres comme des petits poulets, et les gilets qui vont capter cette fréquence. Voilà, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye d'amener des fréquences
positive plus haute dans une situation basse qui a été créée par les archons. C'est ça notre idée, d'amener des énergies positives. Appelez-les des guerriers ninjas de lumière, si vous voulez. C'est pas joli comme mot, j'en vais en trouver un autre. Mais enfin... Ah non, 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 pas les trucs de Star Wars. Mais j'aime pas Star Wars. Hein? C'est une manip luciférienne. J'aime pas, j'aime pas. Donc, voilà ce que les ninjas de lumière essayent de faire. D'amener dans les gilets jaunes ces énergies plus hautes, hein, pour compenser tout ce qui est bas en fréquence et faire monter, 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 monter pour arriver à eh ben, une force pour positive de liberté, de lumière, de compréhension, etc. qui va basculer cette espèce de saloperie de ligne de chemin de fer fausse qui s'en va dans un tunnel et derrière le tunnel il y a un ravin et que toute l'humanité va cracher dans le ravin. C'est le rêve des archons, parce qu'ils veulent éliminer les humains pour prendre leur place. Bon ben voilà, les petits ballons, on les a fait. Hop, hop. Il fait vachement bon. Alors on se croit au printemps. On va faire de ces trucs, je vous dis pas, dès qu'il va y avoir les beaux jours, on va en faire des choses là, tous ensemble. Hein, les ninjas de lumière et puis les bons petits gilets, vous allez voir.